Le milliardaire sort une pile de billets et si la végétarienne en face d'elle mange le bœuf, elle prendra les 10 000 dollars. La femme se précipite pour mettre le bœuf dans sa bouche, craignant que le milliardaire ne recule à la dernière seconde. Face à la tentation de l'argent, le végétarien fait tomber son masque d'hypocrisie. Pour 10 000 dollars, elle trahit la promesse d'une vie. Billy regarde tout avec satisfaction, puis porte son attention sur l'homme à sa gauche. Il sirote tranquillement son eau alors que tous les autres essaient de s'enivrer. Billy connaît toutes les personnes présentes dans la salle comme sa poche. L'homme avait déjà été alcoolique. Comment aurait-il pu résister à la tentation de boire? Lorsqu'il pose enfin la question, il apprend que l'homme a arrêté de boire depuis 16 ans. Billy lui a donc offert 10 000 dollars de plus, mais l'homme a refusé. Billy ne voulant pas abandonner, il a ajouté 40 000 dollars. Il offre également une bouteille de vin d'une valeur de 50 000 dollars. Face à une telle tentation, l'homme hésite, mais prend la bouteille, la débouche et en boit une gorgée. Billy a un penchant diabolique pour regarder les gens dévoiler leur laideur. Les deux choses qu'il venait de faire n'étaient pour lui que des amuse-gueules. La douzaine de personnes présentes aujourd'hui ont été invitées par l'homme riche à jouer à un jeu. Le dernier à gagner repartira avec 5 millions de dollars. Après le déjeuner, Billy annonce les règles du jeu, qui est très simple. À chaque tour, une personne est tirée au sort et doit choisir entre punir les autres ou se punir elle-même. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la dernière personne. Celle-ci peut partir seule avec le prix. Vous n'avez que 15 secondes pour choisir. Nul doute qu'avec le sens de l'humour de Billy, ces punitions seront très humaines. Le jeu commence avec la première question qui est poussée vers le haut et le tissu noir est enlevé pour laisser apparaître un appareil à électrochoc. Tout le monde panique à cette vue. L'homme qui venait de boire s'est levé et a dit qu'il voulait partir maintenant. Mais il n'y a qu'une seule façon de sortir d'ici. Tout le monde s'est retrouvé assis sous la menace d'une arme. Bob, le majordome, a poussé le tasé vers Tom et lui a mis la cagoule sur la tête. Le premier choix du jeu consistait à se donner un coup de tasé ou à donner un coup de tasé à quelqu'un d'autre. Tom ne voulait pas blesser Mina de l'autre côté de la pièce et a appuyé sur le bouton directement sur lui. Au moment de choisir, Mina a dû choisir entre elle-même et le vieil homme. Étonnamment, la femme a appuyé sur le bouton pour électrocuter le vieil homme avant même que les secondes ne commencent à compter. À cette vue, tout le monde pensait déjà à abandonner. Le casque a été passé et tout le monde a dû subir au moins une décharge électrique. Seul Harry, qui était assis à côté d'Iris, s'est porté volontaire pour donner un choc à Iris. Après une courte pause, ils ont été confrontés à un choix encore plus brutal. La femme est confrontée à deux choix difficiles. Soit poignarder l'homme à côté d'elle dans la cuisse avec un pic à glace. Soit donner à l'autre homme trois coups de fouet dans le dos. Sinon, elle sera immédiatement abattue. La zone de la cuisse est si dense en vaisseau sanguin que l'on peut facilement se vider de son sang. Cette option peut être complètement ignorée. Iris a dû choisir le fouet. Mais après trois coups légers, Jack transpirait de douleur. Un rapide coup d'œil sur son dos lui a laissé trois marques de fouet choquantes. C'était ensuite au tour de Harry et Bob, le majordome a placé le pic à glace et le fouet devant lui. Curieusement, c'est Jack qui a été la cible du fouet cette fois-ci. La foule est déconcertée, c'était censé être le tour de la personne suivante. Mais le compte à rebours de la mort a commencé. Harry n'a pas voulu utiliser le pic à glace et a dû fouetter Jack à nouveau. Après les trois coups de fouet, Jack tremblait. Au tour suivant, c'était le choix de Jack. Il n'a toujours pas choisi de faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais il s'est donné trois coups de fouet supplémentaires. Mais cette fois, la punition est administrée par Bob lui-même. Jack a dû mordre sa cravate dans sa bouche. Cependant, après les trois coups de fouet, il était toujours inconscient à cause de la douleur. Le jeune homme assis à côté du vieil homme fut le prochain à devoir faire un choix. Et la cible du fouet était toujours Jack. Considérant que tout nouveau coup de fouet pouvait entraîner la mort, il n'avait d'autre choix que de poignarder le vieil homme à côté de lui. Cependant, il a poignardé le vieil homme dans la horte, ce qui l'a fait se vider de son sang très rapidement. Désormais, tout le monde a peur de choisir au hasard. Pour rendre le jeu plus excitant, Billy a donné à Mina le droit de poignarder qui elle voulait pour faire son choix. Mina n'a pas hésité et est allée directement vers Iris. Pour... From the shoulders down. No! Oh. No! Oh. Alors que Mina devenait de plus en plus agressive, Tom n'était plus clément. Il a pris le fouet et s'est dirigé vers Jack. Trois coups de fouet plus tard, il était complètement silencieux. Avec deux vies en moins, le jeu était terminé. Alors que Billy se retourne, Harry chuchote un mot à Iris. La scène devient incontrôlable et tout le monde sort de la pièce en courant à l'unisson. Tom voulait se venger, mais l'instant d'après... Get back! Tout le monde est revenu à sa place. Mais Iris s'était déjà enfui et Bob lui-même s'est lancé à sa poursuite. Iris avait réussi à échapper aux recherches de tout le monde. Alors qu'elle s'apprêtait à grimper à la fenêtre, une grande main l'a tirée vers le bas. Iris ayant retrouvé sa place, le jeu se poursuit. Pour le troisième tour, les choix allaient devenir encore plus brutaux. Un seau d'eau a été poussé à l'intérieur. Les deux choix suivants consistaient à retenir sa respiration sous l'eau pendant 2 minutes. Ou choisir une punition parmi une sélection aléatoire de cartes. Retenir sa respiration dans un seau pendant 2 minutes ou prendre une punition au hasard. Sans hésiter, l'homme choisit de tirer une carte. Il y voit un petit pétard. Il pensait avoir échappé à la mort. Mais lorsque la mèche a été allumée, il a finalement ressenti la peur. Oh God. Pétard n'a pas fait beaucoup de dégâts.
mais le choc a provoqué une crise cardiaque. Il est mort sur le coup. Bob, le majordome. La sortie de là, il était temps de passer à l'homme suivant. Retenir sa respiration sous l'eau pendant 2 minutes est un suicide. Et Harry choisit de tirer une carte. Il montre le motif à Billy avec son revers. D'après les explications de Billy, Harry devait se rendre aveugle. Lorsqu'il entendit cela, il voulut mourir. Mais après quelques hésitations, il a choisi de se le faire à lui-même. C'est alors à Iris de faire son choix. Ayant tiré les leçons du passé, elle n'a pas osé choisir les options de la carte. Au lieu de cela, elle a retenu sa respiration sous l'eau pendant 2 minutes. C'est un peu difficile pour le commun des mortels. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulent, l'esprit d'Iris s'emballe. Les souvenirs lui reviennent et elle se souvient de son frère qui attendait de l'argent pour soigner sa maladie. L'instant d'après, le corps d'Iris s'est mis à tressaillir. Mais le compte à rebours s'est également arrêté à ce moment-là. Mina choisit également la carte suivante. Le baril sur la carte indiquait 4. Ce qui signifie qu'il faut retenir sa respiration pendant 4 minutes. C'était comme une condamnation à mort. Mina se dirigea calmement vers le tonneau, comme si elle avait confiance en sa capacité pulmonaire. Cependant, Bob a poussé Mina dans l'eau alors qu'elle ouvrait la bouche pour inspirer. Quelques minutes plus tard, Mina était morte. Il ne reste plus que 2 joueurs dans le jeu. Billy donne l'ultime option. C'est un choix de la nature humaine. Abandonnez le bonus maintenant et tous les 2 s'en sortiront vivants. Et en utilisant le pistolet pour éliminer l'homme de l'autre côté, il pourrait partir seul avec le prix. Bob tire à pile ou face et met le choix entre les mains d'Iris. Mais Harry ne panique pas, pensant qu'il a déjà sauvé la vie de son adversaire une fois. It's over. We're done. We can go home. I never told you why I came here tonight. I think you should hear it, okay? I think we have some things in common. You're here for someone else, right? Your brother. I bet you'd do anything for him. I know exactly how you feel. I have 3 sisters. Iris a obtenu les 5 millions de dollars qu'elle voulait, et Billy a trouvé un donneur d'organes pour le frère cadet d'Iris. Cependant, lorsqu'Iris est rentrée chez elle en état de détresse, elle a trouvé son frère cadet mort. Le frère cadet ne voulait pas qu'Iris soit entraînée dans sa chute. Elle se suicide donc.